قد عرفت مقام الإفريقي خلال العشر الأخير، تطور ملحوظا في مجال التجهيزات الأساسية. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هذا المؤتمر تشرف بالرعاية السامية لجلالة الملك نصره الله، وأيضا بالرسالة الموجهة إلى المؤتمرين، وهذا كيبين الأهمية اللي تعطت لهذا المؤتمر، وخاصة أنه الأول من نوعه فيما يتعلق بموضوعه. صحيح كانت هناك مؤتمرات كثيرة حول النقل واللوجيستيك وفي كافة القطاعات حول الطرق والبنية التحتية، ولكن هذا المؤتمر يعني يناقش موضوع نعتقد أنه مهم، وهو كيف الحفاظ على هذه البنية التحتية، لأنه كما تلاحظون هناك خبراء ومسؤولين من الدول الإفريقية، يعني العشرات، هناك من أوروبا، هناك من منظمات وطنية ومنظمات إفريقية ومنظمات دولية، هناك أيضا من دول بعيدة، يعني تجارب ستعرض خاصة الدول أمريكا اللاتينية اللي عندهم تجربة في هذا المجال. ثم أهمية هذا الموضوع أنه كيناقش بعض الأمور المستجدة. الأمر الأول وهو هناك تقنيات جديدة في مجال صيانة الطرق باستعمال المواد المحلية، يعني الماتيريو لوكو، باستعمال أيضا تقنيات حديثة بالتقليل من استيراد بعض التقنيات وبعض المواد. ثم أيضا موضوع تمويل هذه الصيانة لأنه مكلفة جدا. البلاد ديالنا مشات في اتجاهه كما جاء في الرسالة الملكية أنه 50% من الميزانية سيخصص للصيانة. كثير من الدول عندها معاناة في هذا المجال، فإذا ما هو الصياغ ديال التمويل يعني في هذا المجال، سواء تمويل عمومي أو تمويل بشراكة مع المجالس المنتخبة أو شراكة مع القطاع الخاص. Opportunités qui sont offertes pour donc voir cette nouvelle génération de routes que nous allons construire, mais aussi pour essayer de brosser un paysage de l'existant et diagnostiquer donc les différentes anomalies que nous avons sur nos routes, de manière à pouvoir donc proposer des alternatives au niveau des techniques et technologies adaptées, mieux adaptées pour bien cerner nos revenus des routes, mais aussi nos financements qui se font de plus en plus rares, mais aussi de pouvoir faire en termes de qualité, puisque l'Afrique en construit, mais souvent on construit d'une manière qui n'est pas aussi bonne. Tenant compte que l'état spécifique du réseau routier guinéen est une particularité, parce qu'aujourd'hui nous avons 60% de nos réseaux en très mauvais état. Et la 80% des routes de chez nous a au moins 15 à 20 ans. Donc un vieillissement total, une dégradation totale due à deux facteurs. D'abord, de l'âge des différentes tronçons routiers, mais aussi de la surcharge. La surcharge routière est une problématique qui touche tous les pays africains. Donc à l'issue de ce congrès, mes attentes principalement, c'est de recueillir quelques expériences vécues des autres États de la sous-région pour pouvoir les analyser et essayer de tirer profit pour pouvoir les appliquer dans notre pays pour améliorer notre système d'entretien routier et de préservation. Je
l'infrastructure de route, c'est très important pour tous les pays qui voulaient se développer. Hein, parce que tous les pays doivent construire des infrastructures, parce que ça, c'est permettre le développement du commerce, ça, c'est permettre l'intégration économique. Et je crois que l'initiative du gouvernement du Maroc, c'est très important, très important, parce que on doit les Africains promouvoir la coopération. Donc, pour notre participation à ce congrès, et nous avons été choisis pour pouvoir participer et nous pensons qu'au sorti de ce congrès, et les recommandations qui seront faites vont aller droit dans le règlement de certains problèmes que nous vivons dans nos pays respectifs. Parce que vous savez, nous sommes des techniciens et c'est le politique parfois, parce que après avoir fait des promesses, vous voyez, aux populations qui veulent aller rapidement et en contournant, si je peux me permettre de le dire. Donc nous avons participé au niveau de l'AMR, c'est l'Association marocaine de la route, avec le ministère transport et de la logistique, à l'élaboration de ce congrès qui est bien sûr, comme vous l'avez bien dit, si bien dit, le premier en Afrique. Exact. D'accord. Donc c'est dans le but, principalement, de consolider nos relations avec les pays de l'Afrique subsaharienne. Cette consolidation permet justement d'ouvrir les portes pour des opportunités en partenariat ou autre avec nos pays amis, pour que les entreprises puissent s'exporter et pour que faire profiter aussi les pays subsahariens de l'expérience du Maroc. نحن في داخل الجامعة فهمنا منذ زمن طويل أن المنافسة ستصل ولذلك استعدنا لها استعدادا كاملا بحيث أنه طورنا إمكانياتنا سواء المادية أو البشرية وخذنا هذه المعركة ونعتبر أننا وصلنا المقصود المنشود في هذا الإطار يمكن أن نلاحظ ذلك في النسبة المئوية التي تنجز المقاومة المغربية في المغرب والتي تتجاوز 70 أو 80% لحد الساعة إن شاء الله وهذا من فضل تضافر الجهود سواء من طرف الوزارة المعنية أو من طرف المقاولات التي انخرطت في هذه السياسة وجعلتنا اليوم الحمد لله نفتخر بمقاولتنا ونفتخر ببلادنا وبمنشأتنا وبجودتها كذلك. Pour nous très important à plusieurs titres. D'abord, je voudrais souligner le fait que la séance d'ouverture a été marquée par un message royal qui a rappelé les acquis du Maroc dans le domaine routier, mais qui a également donné une feuille de route pour le développement de ce secteur. Et il a en particulier insisté sur la nécessité d'entretenir notre patrimoine routier. Et moi, ce que je voudrais rajouter, compte tenu du fait que les bureaux d'études marocains, membres de l'AFMCI, sont très actifs dans le domaine routier, c'est que nous nous considérons en quelque sorte comme faisant partie de ce patrimoine routier. En matière de gestion, les pays africains doivent disposer d'un système de gestion pour gérer le réseau routier. Un système de gestion, par exemple le système marocain, il est basé sur un relevé visuel en continu
et du réseau routier, et un suivi par des machines à grand rendement.